Bonjour Monsieur Amiard. Bonjour. Vous êtes le co-dirigeant de la franchise Cash Converter. Mmh. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'origine et le concept de cette enseigne ? Notre concept a été créé en 1984 en Australie par deux frères qui sont toujours à la tête de l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, on est présent dans 26 pays à travers 626 magasins dans le monde entier. Et l'implantation en France remonte à 1995. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes, on en parlera plus tard, à peu près 70 magasins dans la France. Et le concept est toujours basé sur l'achat-vente de produits à des particuliers. Donc vous avez 70 magasins en France. Quel est votre objectif de développement? Nous approchons du milieu de l'année 2010 et même un petit peu au-delà. Alors aujourd'hui, nous avons 55 magasins ouverts et 15 magasins en cours d'ouverture, ouais. C'est-à-dire contrats signés, locaux trouvés et ouverture planifiée ou programmée, tout du moins à très court terme. L'objectif, c'est effectivement d'adjoindre au moins 10 nouveaux magasins d'ici la fin de l'année. Donc on sera à 80 et structurellement, on est déjà équipé pour gérer une centaine de magasins qui correspond à un objectif à 2 ans. Quel est le profil des candidats qui vous rejoignent ? Ah, je dirais heureusement ou malheureusement, il n'y a aucun profil. On recherche seulement des qualités d'entrepreneur et de commerçant, avec effectivement cette disparité que l'on rencontre aujourd'hui, car contrairement à l'époque, il y a 10 ans, où nous avions des cadres en reconversion, entre guillemets, nous avons aujourd'hui pas mal de jeunes personnes qui sont intéressées par le concept de la ville, le Cash Converter City. Et à travers ce nouveau type de magasin, on a effectivement aujourd'hui un réseau qui se rajeunifie d'une façon assez importante. Et quelle formation dispensez-vous aux candidats qui vous rejoignent ? Alors, on a des formations en général relativement peu importantes et très diversifiées. On a bien évidemment des gens qui viennent de la distribution. On a des banquiers, on a des clercs de notaire, on a un expert comptable. C'est vraiment très, très, très varié. C'est ce qui fait le charme et l'intérêt du réseau. Cash Converters, depuis quelques années, a choisi de se développer également en centre-ville. Oui, tout à fait. Sous le nom de Cash Converter City. Pouvez-vous dire quelques mots sur ce concept ? Le Cash Converter City est une déclinaison du concept adapté à la ville, c'est-à-dire sur environ 100 mètres carrés, travaillant essentiellement en libre-service avec 2-3 rayons qui justifient la présence d'un vendeur seulement. Et on suit la tendance naturelle au jour d'aujourd'hui du retour du commerce en centre-ville. Donc on suit en ce sens à l'issue des consommateurs. Cela dit, on a répondu à pas mal d'attentes en ce qui concerne nos franchisés qui, à travers ce nouveau concept, en définitive, ou cette adaptation du concept plutôt, vont pouvoir ou bien ouvrir un second magasin pour protéger leur zone, vont installer leur fils ou quelqu'un de leur famille. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 7 magasins ouverts en Cash Converter City. Et sur les 15 dont je vous disais en cours d'ouverture, 8 seront des formats City. Monsieur Amiard, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le co-dirigeant de la franchise Cash Converters. C'est moi qui vous remercie. Merci.